Bonsoir la famille Rapienne, bienvenue avec Patte de Mars, votre journaliste de Marseille. Alors, le Vélodrome va s'agrandir avant le Classico. Donc, éliminé en Coupe de France par l'OM et en difficulté en Ligue 1 et en ayant perdu le match aller contre le Bayern Munich 1-0 en Ligue des Champions, le PSG se déplace à Marseille, ici au Vélodrome, le 26 février prochain. Donc, le PSG viendra ici à Marseille. Contre qui se sont déjà inclinés en Coupe de France. Ce nouveau classico devrait afficher complet, comme l'indique la Provence. Donc, le Vélodrome devrait battre un nouveau record d'affluence, puisque 65 600 supporters sont attendus ce dimanche 26 février. Selon le compte Twitter Droit au but, des travaux seront faits pour dépasser la barre des 65 252 supporters de février 2017. Il y aura bien des travaux très légers afin de permettre d'augmenter la capacité du vélodrome. OM-PSG va devenir le record officiel du club. Alors, encore une fois, le vélodrome devrait offrir une ambiance incroyable lors de ce classico. Un atout supplémentaire pour l'OM qui en aura bien besoin dans ce match très important. Le ministère de l'Intérieur apparemment, a pris la décision d'interdire aux Parisiens de se déplacer en terre olympienne en raison de la rivalité entre les deux clubs ce dimanche 26 février. Alors, comme chaque année, depuis 2015, les supporters du PSG seront à nouveau interdits de déplacement à Marseille pour soutenir leur équipe face à l'OM. Alors, invoquant la rivalité entre les supporters des deux clubs, ayant entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l'ordre public, la préfète de police des Bouches-du-Rhône avait pris début février des arrêtés interdisant aux supporters parisiens d'accéder au stade Vélodrome et de circuler ou de stationner à ses abords et dans les arrondissements proches pour les deux matchs du 8 et du 26 février. L'arrêté ministériel publié jeudi au journal officiel vient compléter ces dispositions en interdisant le dimanche 26 février 2023, de 0 h à minuit, le déplacement individuel ou collectif par tout moyen de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel entre les communes de la région d'Île-de-France et la commune de Marseille. Donc, encore une fois, pas de supporters parisiens au stade Vélodrome, donc pas d'embrouille, donc ambiance de feu et de folie pour les recevoir encore une fois et pour leur remettre encore une petite couche de vaseline entre eux ce dimanche soir au stade Vélodrome en espérant pouvoir réussir à les battre et à revenir à 2 points de eux en championnat. Allez, Forza OM la famille!